Bonjour, je suis Jean-Yves Juban, directeur de l'IUT de Valence et je vais vous parler tout de suite de l'alternance dans les formations que nous proposons à nos étudiants. L'alternance est une des modalités privilégiées de formation à l'IUT sur 2 ou 3 ans et pour les parcours dont je vais parler tout de suite, les parcours de formation, ça sera pour 2 ans, donc des contrats de 24 mois. L'alternance présente un intérêt pour l'entreprise qui recrute les jeunes en alternance parce que souvent elle cherche justement des personnes à former également en collaboration avec l'université, donc nous on est ravis de faire cette formation. Cette co-formation avec une entreprise. Elle cherche aussi de futurs collaborateurs ou des personnes qui puissent être opérationnelles très vite ensuite sur le marché du travail. Et ça, ça permet de favoriser cette caractéristique de nos jeunes diplômés à Bac plus 3. Pour les étudiants, c'est évidemment intéressant aussi, d'abord pour des raisons financières, puisque pour certains, c'est un mode de financement de leurs études. C'est pour tout le monde le gage d'une meilleure employabilité à la sortie du diplôme. Donc le diplôme, c'est un diplôme de Bac plus 3, licence professionnelle, bachelor universitaire de technologie pour ce qui nous concerne. Et donc à Bac plus 3, on est employable si on a fait 1 an et encore mieux si on en a fait deux ans d'alternance. Ça permet d'équilibrer les acquis théoriques, on va dire, qu'on peut avoir ici à l'IUT et leur mise en application dans l'entreprise. Pour toutes ces raisons, nous proposerons donc 4 parcours en alternance pour 2 années, BUT 2, BUT 3, dès la rentrée de septembre 2022 à l'IUT. Un parcours en gestion des entreprises et administrations orientées métier de la comptabilité, donc dès la 2e année et pour la 3e année également, pour une 20aine d'étudiants. Et 3 parcours au département technique de commercialisation, un premier parcours en e-commerce et web marketing, un 2e parcours en gestion du point de vente et un 3e parcours relations clientèle qui pourra se subdiviser à l'avenir en relations clientèle dans le monde de la banque et de l'assurance, relations clientèle dans le monde vitivinicole et puis tout secteur pour la 3e partie. Ça sera plutôt pour la 3e année, mais si dès la 2e année on a des contrats en banque ou dans le secteur viticole, ça sera parfait. Pour toutes ces raisons donc, j'appelle les entreprises du territoire de Romardèche à faire un bon accueil à nos étudiants qui les solliciteront et à venir nous voir pour nous proposer des contrats d'alternance pour la rentrée de septembre 2022.